Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 4 pour l'épisode 20. Donc je vous rappelle que la dernière fois, du coup, Masayoshi Tanimura nous a expliqué qu'il était à la recherche... Enfin, il nous a expliqué, on l'a compris à travers les cinématiques, il nous a pas parlé à travers le jeu, qu'il était à la recherche du coup de Yasuko Saejima. Pourquoi ? Parce qu'apparemment elle pourrait savoir des choses par rapport au meurtre de son père, qui était policier et qui apparemment avait enquêté sur l'histoire de la tuerie avec Taiga Saejima et serait fait assassiner. Est-ce que c'est un lien direct ou quoi? Voilà, c'est pour ça qu'il était à la recherche de Yasuko, sauf que Yasuko entre deux s'est fait choper par des hommes de Shibata. Shibata ici présent au milieu de l'écran. Et du coup, bah nous, on est à la recherche du coup de Yasuko. On a remonté la piste et on est arrivé au dock, donc à côté de la baie de Tokyo. Et on voit qui Arai à gauche, qui apparemment est à côté de Shibata, alors que vous n'êtes pas sans savoir que les hommes de Shibata sont censés rechercher Arai. Donc il y a quand même un problème s'il est avec le Big Boss. Il y a un souci quelque part. Il y a une anguille sous roche, comme on dit. Donc voilà où on en est, et du coup là en fait, Masayoshi Tanimura est caché derrière la porte, il est en train justement d'espionner Shibata et Arai. Alors, donc notre plan fonctionne comme... Enfin... se déroule bien, entre guillemets, je pense que ça veut dire ça. En gros, continue à faire profil bas et tout se passera bien. T'as compris Arai? Oui, monsieur. Le président de Jima... ne trouvera jamais... Enfin, n'aurait jamais pensé que je t'aurais caché ici. Quoi, il te va rien faire... Merde, ça veut dire quoi déjà, quit? Je sais pas, pour une monnaie d'échange entre guillemets, parce que ça, Bargain s'est échangé en fait. Par rapport au petit doigt, parce que je vous rappelle qu'il avait fait, je sais plus comment on appelle ça. J'ai plus le mot japonais, mais il s'est coupé une phalange pour la donner à Katsuragi, pour lui faire comprendre que bah voilà, il était désolé quoi. Donc là, lui dit... c'est pas la peine de faire tout ce baratin, quoi. Puisque, ah, comme par hasard, monsieur a tous ses doigts. Bizarre. N'est-ce pas? Là, vous êtes en train de dire, non, mais attends, le mec, déjà, il est à la recherche du Arai. Il est introuvable, en fait, il est avec lui. Le mec, c'est censé être coupé un doigt. En fait, il a tous ses doigts. Il y a un problème, là. On est en train de nous enculer depuis le début du jeu, c'est pas possible. Tout simplement, en fait, on l'a jamais vu se couper les doigts. Et qui plus est, même si c'était un vrai doigt qu'il y avait dans la serviette, bah déjà, on ne sait pas forcément que c'est le sien. Puis il avait un bandage tellement énorme que bah, ce bandage-là, en fait, cachait son vrai doigt, quoi, tout simplement. Donc du coup, j'ai rencontré Katsuragi hier. Non, attends. Amitié. Non, je dois rencontrer plutôt Katsuragi demain après-midi, je crois, afternoon, c'est après-midi, il me semble. Pour voir les détails du traité. Où ça? Kamurocho, un endroit qu'on appelle Café Alpes. Bon, on connaît très bien ce endroit. Je vois. Vous pensez vraiment que c'est une bonne idée de voir faire ça à Kamurocho? C'est assez risqué si le clan Tojo, enfin le quartier général du clan Tojo découvre le lien entre vous deux. C'est bon, Katsuagi et moi avons de très bonnes raisons pour faire ce rendez-vous là-bas. Si nous sommes vus, les gens vont juste penser que j'étais en train de m'excuser toujours à propos de cet incident. Donc l'incident, la mort de Yara, je vous rappelle, hein, quand Arai l'a tué. Bien sûr. Mais Aito aussi... Par contre, je dois m'inquiéter pour toi, un truc comme ça. En particulier avec cette femme et
tout le merdier en gros qu'elle a causé, quoi. まさか、こんな女が今世間を騒がせている連続殺人事件の犯人だったとはな。どうして柴田組の関係者ばかりを狙ったんだ。仕方なかったんです。1億なんて用意できると思わなかったから。ん？何おかしなこと言ってるんだ。なるほど。 なかなかいい女だ。これなら男は色仕掛けに引っかかるってわけか。柴田組長、もういいでしょう。この女が柴田組の関係者を殺して回っていたことは確かです。殺してしまいましょう。私の方で始末しておきます。 まあ待て組長、俺はな、どうしてこの女がうちの連中を殺して回ったのか知りたいんだよ。それにこの女の色仕掛けがどこまでのもんか試してみたいもんじゃねえか。 あんたはもう用済みだ。どういうことだ。あらい、心配しないでください。これも計画のうちなんですから。この女の仕事は終わってない。まだ必要なんですよ 我々にはね。我々だと？ええ、そうです。私と桂木さん、それにあと数名の協力者にとってね。お前、桂木の方に寝返ったのか。柴田さん、勘違いしないでください。私は鼻から柴田組と組んでいるつもりはない。 最後に教えといてあげます。25年前の事件、桂木さんと手を組んでいたのはあんただ。そうですよね。あの事件、あんたは自分の出世のため桂木さんに手を貸した。でもそれ以来、あんたは事件の真相をネタに桂木さんに見返りを求めすぎた。 おい、しっかりしろ。25年前、上野義晴の襲撃事件を仕組んだのはあんたなのか。あの事件にはどんな裏があるんだ。おい、おい柴田、しっかりしろ。くそ。 Bon bah Shibata, son compte est bon. Et Arai, du coup, c'est un double crosser, un agent double. Puisqu'apparemment, monsieur fricote avec Katsuragi. Et apparemment, c'était ça depuis le début, quoi. Donc c'était plus ou moins un homme de main de Katsuragi qui s'est infiltré dans la famille Shibata, quoi. Donc oui, pourquoi pas.
Toujours plus de rebondissements. Alors du coup, le chapitre 2, alors le mastermind c'est quoi déjà? En gros c'est le mec qui tire les ficelles quoi, je crois de mémoire.近くに警察がいるみたいだな。今夜は外には出ない方がいい。この店は俺がアジトのように使ってる店だ。警察とは繋がってない。安心しろ。どうして？ん？どうして私のことかくまうようなこと？ この店特製ブレンドの中国茶だ。その辺の適当な茶とは味が違う。とりあえずそれでも飲んで落ち着け。あなた、警察の人なんでしょ？そうだ。 さっき柴田が話していたこと聞いてたんでしょ？ああ、聞いてた。じゃあ、どうして？簡単だ。俺は生活安全課の刑事だからだ。殺しは専門じゃない。でも。それに、たとえあんたが殺人をやっていたとしても、俺にはあんたを捕まえることができないんだ。殺人の証拠がないからな。だから証拠が揃うまでは、 こうして身柄を拘束するしかない。まあ、任意同行に付き合ってるくらいに思っといてくれ。どうして私の身柄を？あなたの目的は何なの？俺はずっとあんたを探していた。10年前からずっとな。 今から25年前、 1985年4月30日、 あんたは俺の親父と会う予定になっていた。この日の夜、親父は荒川から水死体となって発見された。冴島康子さん、刑事としてじゃない、父親を殺された一人の男としてあんたに聞きたい。あの日、 Donc voilà, on a une espèce de... J'allais dire fausse cinématique, mais c'est un peu ça. Hein. C'est un petit peu la cinématique du pauvre. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais fait Yakuza 3, mais... Je vous disais qu'il y a des fois, tu sens que le studio a un manque cruel de budget. C'est que t'as des moments comme ça où... Ils peuvent pas faire de la vraie cinématique, du coup ils font une espèce de variante où bah, les animations sont réduites au strict minimum. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Donc du coup, bah il va lui demander, quand ils sont rencontrés avec son père, savoir ce qu'elle sait, quoi. Donc Yasuko se dit, alors, si vous êtes son fils, de quoi avez-vous parlé avec mon père le jour où il a été assassiné? Rien. Je l'attendais. Détective Tanimura, votre père n'est jamais venu. Il n'est jamais venu? Non. J'étais supposé le rencontrer à Kamurocho, enfin dans un café de Kamurocho, pardon, petite remontée d'air, au début de l'après-midi. Mais il a appelé dans la matinée et il m'a demandé de le voir le matin en fait, enfin de le voir plus tôt quoi. Ce matin, et il vous a dit pourquoi. Je me rappelle pas exactement, mais il a dit que la fusillade était un piège. Il a dit votre frère était la cible, enfin était une cible quoi, mais pas le vrai perpétrateur, comment dire ça,
Putain, en plus, c'est le terme français est pas très loin de celui-là. Pas le vrai acteur de la chose, quoi. Enfin, je sais pas trop comment vous le traduire, mais je pense que vous voyez où je veux en venir, mais là, j'ai pas le vocabulaire. I will have proof of it. Et en gros, il avait la preuve que c'était... Enfin, il allait lui apporter les preuves, apparemment. Mais bon, bah, il était assassiné, quoi. Donc bon, c'est trop tard. Du coup, on se pose des questions, parce que bon, on se dit son frère, oui, Taiga Sajima, on l'a bien vu flinguer techniquement 20 personnes, sauf qu'il y a eu deux survivants, du coup, mais voilà, quoi. The real perp, donc le véritable acteur, entre guillemets, comme j'ai pas le mot particulier. Perpétreur, hein, je sais pas, je crois pas que ça se dit en français, j'ai un doute. Enfin bon, de toute façon, vous voyez où je vais en venir, mais bon, là, j'ai pas le mot qui me vient. And he was... Je sais pas, il avait leur identité, un truc comme ça. Avant de raccrocher, il m'a dit que la fusillade ne faisait pas partie, en gros, de la guerre de clan. Et que c'était... Je sais pas que c'était, en gros, en cas de force majeure ou un truc comme ça, je pense. Et il m'a dit de faire attention. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire par ça. Mais quand votre père n'est pas venu, j'ai eu tellement peur que j'ai quitté immédiatement Kamurocho. Je vois. Je ne peux pas vous en vouloir. Alors votre père était... Vous pensez que c'est à cause de son enquête sur ce dossier que quelqu'un l'a... On dirait bien. Mais... Est-ce que vous pouvez m'éclaircir un peu sur certaines choses? Enfin, sur certains sujets. Bien sûr. J'ai toujours pensé que le meurtrier de mon père faisait partie du clan Tojo ou du clan Ueno Sewa. Mais quelque chose me dit... que... C'est pas forcément vrai. Pas vrai? Un flic... En gros, le meurtre d'un flic, normalement, enfin, déclare une tempête, quoi, dans les forces de police, quoi. Enfin, en gros, c'est un événement important, quoi. Un extra... Oh là là, attends. En gros, il y a une enquête supplémentaire qui suit toujours derrière parce que voilà, ça fait partie. Enfin, c'est l'un des hommes qui fait partie de la police, donc voilà, faut résoudre l'affaire, quoi. Mais apparemment, la mort de mon père a été classifiée comme accidentelle, alors que pourtant tout indique que c'est un meurtre. Ça ne s'est jamais, ça ne s'est jamais passé comme ça, quoi. Qu'est-ce que... Enfin, vous entendez par Greater Force en faveur... Attends... Tu veux finir? Ah, d'accord, donc c'était pas en cas de force majeure. C'était des forces plus... Bah, plus fortes. C'est un peu con de dire ça, mais... C'est... Ouais, c'est des forces qui ont plus de pouvoir, entre guillemets, je pense. En gros. Donc, vous voulez dire que les... plus grandes forces, entre guillemets, que votre père... Enfin, que ça serait eux les plus grandes forces que votre père a mentionnées. Durant son enquête, il me savent Stumbling. Il semblerait qu'il soit tombé sur quelque chose de gros. Si c'est vrai, Sophie... cette affaire est encore plus terrifiante que ce que je pensais. Maintenant, back to you. Je sais pas ce que ça veut dire, back to you. Revenons-en à vous, peut-être, Yasuko, je sais pas.
Pourquoi vous êtes revenu après 25 ans et pourquoi pourquoi vous avez tué des hommes de la famille Shibata? Est-ce que ça a un rapport avec votre frère? Ne vous inquiétez pas, même si vous dites la vérité, la police ne fera rien. Aucun de mes supérieurs arrivera à croire ce que je dis, quoi. S'il vous plaît, dites-moi. Un homme qui s'appelle Katsuragi et qui vient du clan Ueno Seiwa m'a dit. Il a dit que qu'il sauverait mon frère si je lui apportais 100 millions de yens ou si je tuais quelqu'un. Katsuragi? Attendez, comment c'est arrivé? Ça a commencé il y a plusieurs mois. Je vivais pas loin de Shiba quand j'ai reçu un appel d'un homme qui prétendait être détective à Tokyo. Il a dit que quelqu'un était capable de sauver mon frère et qu'il allait me le présenter. Quelqu'un de la police, il voulait dire? Oui. Parce que c'était la police. I never thought. Ah, du fait que ça soit la police, j'ai pas remis en doute ses propos. Du coup, je me suis dépêché de retourner à Kamurocho pour rencontrer cette personne. Et vous avez rencontré du coup ce Katsuragi. Oui. Et qu'est-ce que Katsuragi vous a dit? Il m'a dit que j'étais. Attends, Il m'a dit qu'en gros que il, en pensant, enfin, parlant de Taiga Saejima, était une victime en fait de ce qui s'est passé il y a 25 ans. Et qu'il pouvait attester que Taiga n'était pas le meurtrier et que le dossier pourrait être réexaminé. Et si ça arrive vraiment, Taiga pourrait avoir une chance de d'être libéré, quoi. Tout ça pour en échange de 100 millions d'yens ou un meurtre. Oui. Mais 100 millions, c'est juste impossible. Enfin, c'est une somme colossale, donc c'est impossible à réunir, quoi. Alors, vous avez choisi le meurtre. Mais là, vous vous demandez sûrement, mais attendez, elle a tué des gens, et elle a quand même eu 100 millions avec Akiyama. Il y a un problème. Mais vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi Katsuragi vous a envoyé après d'autres personnes... Enfin, attends, send you after... Non, pourquoi vous... Non, pourquoi Katsuragi vous a demandé de vous occuper des hommes connectés à la famille Shibata? Il a rien, enfin, mentionné à propos de la famille Shibata, mais il m'a demandé d'éliminer certains individus qui aidera à prouver l'existence de mon frère. Certains individus. Maintenant, je pense qu'il voulait juste réduire au silence les gens qui connaissaient la vérité sur ce qui s'est passé. なるほどな。これで一つ見えてきたな。25年前の事件、葛城と柴田は裏で繋がっていた。おそらく、柴田は25年前のことを餌に、今も葛城を脅していた。だから葛城と協力関係にあった新井に殺された。冴島大我が行った、上野義晴襲撃事件には、もっと裏があるはずだ。問題は、どうしてあの新井が、葛城と手を組んだのか、だ。まさか、この前起こった、あの、抗争事件ってのも？ああ。最初から仕組まれたもんだった可能性が高い。あの25年前の事件と同じようにな。葛城に、鎌をかけよう。え？新井ってやつの話じゃ、葛城はまだあんたを必要としている。あんたの身柄を餌にして交渉すれば、葛城も取り合わないわけにはいかない。ちょっとまーちゃん、でもそれじゃこの人の身が。何も本当に身柄を渡すわけじゃない。向こうはこの人の居場所が知りたいだけだ。身の安全は保証する。どうだ、それでいいだろ
断ります。どうして？だってそれじゃお兄ちゃんは助からないから。私には葛城の証言が必要なの。安子さん、あなたは葛城に脅迫されて命の危険を冒してまで殺人をする羽目になった。あの男が素直に証言するはずなんてない。それなのに今でも葛城の話信用するっていうのか。あんたの兄貴の無実は俺が証明する。それに俺もどうしても親父の殺された理由、あの事件の真相が知りたいんだ。勝手ね。え？あなたに何ができるっていうの。全部自分のためだけじゃない。安子さん、私にとってお兄ちゃんは全てだった。お兄ちゃんが大好きだった。本当に大好きだった。25年前のあの日、お兄ちゃんがいなくなってから私はずっと一人だった。あなただけじゃないのよ、寂しい思いをしているのは。全員憎い。ヤクザも警察も葛城も真犯人なんてどうでもいい。私はもう一回お兄ちゃんに会いたい、それだけなの。Yasuko, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin de tuer d'autres personnes. I will give my life. Je donnerai ma vie pour que vous soyez réunis, vous et votre frère. Il n'est pas aussi différent que vous, que vous êtes. Que vous l'êtes, plutôt. Tout ce qu'il veut, c'est la justice pour le meurtre de son père bien-aimé. Enfin, est-ce que vous avez le cœur à pouvoir l'aider, quoi? S'il vous plaît, regardez-moi. Je vous aiderai, Yasuko. La traduction un peu bateau. これは。カムロ中央パーキング。そこに止めてある車の鍵です。その車のトランクの中に1億円入っています。え？私は葛城の命令に従って罪を犯しました。最初は一人か二人殺せばいいと思ってたけど、葛城の要求は止まらなかった。次から次へ人を殺すよう私に命令してきた。でも私はもう人を殺せなかった。殺したくなかった。だから借りたんです。誰にですか？スカイファイナンスの秋山さんって方に借りました。スカイファイナンス。そのお金はあなたに預けます。もし葛城がその1億円で兄の無実を証言してくれると言ったら、そのお金を渡してください。それはわかるんですが、どうして私に？私は今から沖縄に行きます。今からですか？明後日が兄の死刑執行日なんです。兄が前にいた東京刑務所の刑務官の方が教えてくれました。お兄さん、今沖縄の刑務所に？はい、つい先日移送されたみたいです。あくまで内密にということで教えてくれました。多分私が25年間毎日面会に通い続けたからですね。
結局一度も会えませんでしたけど。25年間毎日。もう時間がないんです。だからもし死刑執行が止められなかった時はせめてお兄ちゃんの近くにいたい。私は谷村さんを信じるしかありません。どうか兄のことよろしくお願いします。Donc à cette cinématique, vous avez compris que Yasuko Saejima n'est pas au courant, en fait, que suite au transfert de Taiga, bah en fait, il s'est fait la malle depuis, puisqu'il a réussi à partir, mais sauf que lui va se rendre à Kamurocho et elle va se rendre à Okinawa. Donc bon, ils vont jamais réussir à se croiser, quoi. En tout cas, elle est désespérée hein, pour en arriver là. Donc du coup, vous comprenez pourquoi, en fait, elle a emprunté 100 millions et qu'elle a quand même tué des gens. Parce que vous vous dites, attends, le mec, s'il te demande juste de tuer des gens ou d'apporter 100 millions, pourquoi faire les deux? Bah, c'est que tout simplement, comme elle l'a expliqué, elle pensait que c'était un ou deux meurtres, et puis en fait, bah, c'était les uns après les autres. Et en fait, elle a compris que bah, le mec sautait de sa gueule et qu'il l'utilisait juste pour tuer le plus de personnes possible, en fait, avec une seule... meurtrier, quoi. Enfin, en l'occurrence, une meurtrière. Du coup, elle a voulu tenter sa chance avec les 100 millions, les prêtant à Akiyama. Mais avant de connaître la rumeur de Sky Finance qui prête des montants entre guillemets illimités, elle pensait que c'était impossible de réunir 100 millions d'yens, quoi. Évidemment, c'est une somme colossale, quoi. Donc du coup, elle nous a donné une clé de parking, et celle-ci va nous permettre de mettre la main sur ces fameux 100 millions. Donc ça sera l'occasion d'utiliser en gros cet argent pour essayer de remonter la piste et essayer de découvrir ce qui s'est passé réellement en 85. Donc du coup, l'argent est dans un coffre, oui. Je dois trouver... En gros, je dois trouver la bonne voiture avec cette clé. Sinon, j'ai rien d'autre à faire ici. Apparemment, j'ai mes habités. Ah oui, j'ai 7 points. Du coup, qu'est-ce que j'augmente? Bon, je vais faire un peu au pif. Hein. Voilà. Hop, c'est parti. Alors, je pense que le meilleur moyen de passer par le parking central est... What? Elle est en train de dire des gros mots. Ah non, d'accord, elle parlait dans une autre langue. Vous ne comprenez pas le japonais? Peut-être un peu l'anglais? Ah, en effet, là, c'est un langage codé, là. elle comprend pas le moindre mot que je dis. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Tanimura, vous ne pouvez pas venir à un meilleur moment. Il y a un problème? Non, c'est juste que cette femme recherche quelqu'un, mais elle ne parle pas japonais. Donc je ne suis pas sûr de savoir quoi faire. J'essaye de lui demander de me suivre jusqu'au commissariat. Voir si on a un interprète, mais elle n'a pas l'air de comprendre et on dirait qu'elle veut rester ici. Je vois. Je vais m'occuper de ça. Merci pour votre aide, Tanimura. Vous inquiétez pas si elle était connue de tes cheveux. Attends, il fait... En gros, si vous voulez la prendre à la station. Je sais pas trop ce qu'il veut dire par là, mais en gros il dit que voilà, ça, dans tous les cas, il gagnera du temps s'il s'en occupe maintenant. Que de l'emmener à la station, trouver un interprète, tout ça, tout ça. Très bien.
Je suis un officier de police. You can talk me. Enfin, vous pouvez me dire si vous avez des problèmes. Ah, j'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui parler. Mon nom est Animora. Je suis de la police de Tokyo. Qui êtes-vous? Je suis Ner. D'ailleurs, je sais pas comment ça se dit, on va dire Ner. C'est mon premier voyage au Japon et Asti. I haven't got my bearings quite yet. Bearings, je sais plus ce que ça veut dire. Ner, ravi de vous rencontrer. J'imagine que vous venez de l'Asie du Sud-Est. Et vous êtes à la recherche de quelqu'un? C'est ça. Actuellement, je suis détective aussi. Vous? Une détective? C'est ça. Je suis à la recherche d'un criminel au Japon pour le... Enfin, pour qu'il soit... Pour que la justice soit rendue. Can you just do that? Est-ce que vous pouvez faire ça? Vous savez que la police japonaise... Enfin, est-ce que la police japonaise est au courant que vous êtes là? J'ai contacté la police japonaise avant de venir ici. Ils sont supposés m'aider. Mais tout ce que j'ai eu jusqu'ici, c'est des gens qui semblent trop occupés et personne veut m'aider dans mon enquête. Oh, je vois. Ça explique un petit peu tout le bordel qui est en ce moment, quoi. So I bet not everyone, no. Donc je parie que personne d'autre sait que vous êtes ici, quoi. I was a certain... je sais pas, en gros j'ai dit que je voulais un interprète, je sais pas quoi. And I guess it... Et j'imagine qu'en gros on vous a dit que c'était pas... je sais pas quoi... C'est pas de votre faute, je suis content de parler enfin à quelqu'un qui me comprend. Ravi de vous aider. Mais il y a un dilemme. Nous avons la permission d'enquêter, mais nous avons pas les autorisations pour arrêter quelqu'un. Au Japon, seuls les policiers japonais sont en droit d'arrêter les gens. Vous marquez un point. Mais si c'est pas votre enquête, enfin si c'est pas notre enquête, we can't make it. Nous ne pouvons pas arrêter quelqu'un sans des preuves solides, quoi. Voici la preuve, voilà pourquoi mes collègues et moi sommes venus au Japon dans l'espoir d'être aidés par l'un de vos hommes. Quoi. Collègues, ils sont à l'extérieur de l'ambassade en ce moment. Monsieur Tanimura, est-ce que vous voulez venir avec moi par ici? Ça sent la quête secondaire parce que ça me dit rien, mais bon. C'est un peu obligatoire. Quel est cet endroit? We don't have cell phone. Nous n'avons pas de téléphone portable qui marche au Japon en ce moment. Donc voici notre zone de rendez-vous. Je vois. Voilà pourquoi vous ne vouliez pas suivre l'officier au commissariat. Le criminel aussi ici. Le criminel que nous recherchons ne doit pas être au Japon depuis longtemps, donc nous devons enquêter avec l'ambassade et la police japonaise. Monsieur Tanimura, est-ce que vous voulez nous aider? Nous devons attraper notre criminel. Moi? Oui, je vous en supplie. Nous pourrons nous occuper de cette enquête, mais nous avons besoin de vous pour les arrestations. Je ne suis pas sûr. Ça a l'air d'être plus un problème qu'autre chose, mais
J'imagine que le commissariat va me demander de le faire si je refuse maintenant. Bon, en gros, on n'a pas trop le choix en fait. Dans ce cas, ça serait plus simple si je donnais mon accord directement. Très bien, je vais vous aider. Vraiment? Merci, merci, monsieur Tanimura. Cependant, je n'ai pas de problème pour arrêter les criminels, mais vous n'avez pas d'armes, vous? C'est pas un peu dangereux? Je n'ai pas l'habitude de porter une arme. Un officier de police. Enfin, le travail d'un officier de police est de capturer les criminels et ne pas les tuer. Si c'est vrai. Attends. Enfin, en gros, c'est vrai, si, enfin, vous ferez un bon job en restant en vie. Mais vous n'avez pas de dossier dangereux. Ça a peut-être pas l'air, mais en gros, voilà, j'ai un bon, comment on appelle ça? Enfin, elle se débrouille, quoi, elle est forte, quoi. Et plus forte de la plupart des petites racailles de gang qu'il y a dans le coin, quoi. Vraiment? Je pouvais pas savoir, je pense. Ah d'accord. En gros, elle dit qu'elle peut pas gagner contre les mecs qui sont forts, mais en fait, elle utilise leur propre force contre eux. Alors, vous êtes forte pour contrer, enfin, en gros, pour faire comme Tanimura. Hein. C'est ce qu'il va nous expliquer. C'est que voilà, ils contre-attaquent en prenant leur mouvement au tac-tac, comme Tanimura le fait en fait. Nous pourrions essayer ensemble. Sparring. Oui. Je lui explique voilà que cette technique de combat, voilà, c'est un truc important. Je sais pas si en gros mon style de combat on peut appeler ça un art martial. Mais très bien. Ouais, le sparring. Bon bref, voilà. En gros, c'est pour nous aider. Je pense qu'on peut peut-être apprendre des techniques avec elle. Donc là, elle nous parle des révélations, tout ça, je vous skip, vous connaissez, blabla. Parce que là, c'est un peu con parce que du coup, pour le joueur. Tu tapes entre guillemets 4 fois parce qu'il y a 4 personnages, 4 fois le truc des révélations. Après, c'est vrai que pour le personnage lui-même ne le sait pas, donc ils veulent incorporer ça dans le scénario entre guillemets, mais ça fait un petit peu doublon. Voilà. Donc je vais quand même lui reparler. Du coup, je vais dire sparring pour voir. Peut-être apprendre un coup spécial. On est déjà à 44 000, mais c'est un truc de fou. La vidéo d'avant s'est passée super vite, celle-là aussi. C'est abusé, quoi. Donc, vas-y, je suis prêt. Apprends-moi des nouvelles choses. Et je dois juste la battre, en fait. Ah, elle se défend, hein. Ah, une pluie. Je sais jamais quand elle va taper, du coup j'arrive pas à... Ah, encore. Même en spammant, je sais pas, j'essaie de feinter. Ah, mais que des coups que j'arrive pas à... Bon, je vais l'éclater normalement, moi je vais essayer. Putain, elle arrête pas de me contrer. Je pense pas que je peux faire pareil pendant le truc. Non. Femme battue. Ah!
Putain, elle est relou à faire ça. Putain, en plus à chaque fois je me cogne comme une merde dans le mur. Allez, genre elle me stone. Elle reste dans le mur aussi. Ah, je peux pas faire l'exécution au sol, ça serait nickel sinon. Allez, encore un quart de vie, on va y arriver. Si je meurs pas avant. Putain, mais lol, je vais me soigner. Oh, je peux pas me soigner, dur. Ça va être chaud, là. Genre, même en saut comme ça, elle me la met. Mais c'est une blague, c'est abusé. Je vais essayer de l'attraper. Allez, allez. Ah, putain, ça se laisse pas faire. Putain, j'y arrive pas. Ah, saloperie. Putain, elle va me buter, hein. Presque plus de vie. Là, je dois la jouer méga safe que j'ai plus de vie. C'était pas loin là. On est serrés tous les deux. Ah, ça le prix. Putain. Ouf, c'est bon. Putain, c'était tendu, mais elle est vachement forte, quoi, et contre tout ce que tu fais. Elle va peut-être m'apprendre un truc pour contrer ça, justement. Non. Active parry time increase. Apparemment, ça augmente. Ah, pour... d'accord, je comprends. Parce qu'en fait, quand t'as le temps pour parer, c'est... Je sais pas si vous vous rappelez, parce que là, ça s'est pas vraiment vu, du coup, contre elle. Mais dans la vidéo, pas la vidéo précédente, mais la première vidéo, on a commencé à vous montrer ce truc-là. C'est qu'il fallait appuyer juste un peu avant que l'attaque se fasse. Et du coup, le temps est très limite. Et là, en fait, ce temps a augmenté. Donc ça nous laisse plus de temps pour le faire, donc ça sera plus facile à déclencher. Quoi. Où en est l'enquête? J'ai des bonnes... Enfin... Ouais, j'ai des bonnes infos. Mmh, qui c'est? C'est Monsieur Tanimura, c'est un détective japonais, et va nous aider dans notre enquête. Vraiment? C'est super. Mon nom est Marco. Marcos, plutôt. Je suis aussi un enquêteur, et je suis venu au Japon avec Nair. Je suis Tanimura, ravi de vous rencontrer, Marcos. Alors, quelles sont ces informations? Alors. Gigi a été... repéré pas loin, dans un club fréquenté par des étrangers. Gigi, c'est le nom de notre suspect. Il utilise un faux nom pour, enfin, en gros, pour éviter que de se faire repérer. C'est en gros le diminutif de Good Game, donc Good Game en français, bon jeu, quoi, bien joué. Like what after play run. Ouais, voilà, c'est ce qu'il explique, quoi. C'est une manière cynique, en gros, comme si... Je sais pas, enfin bref. C'est un surnom. je vois maintenant... Donc, en gros, il prend la police très au sérieux, je pense. Apparemment, on dirait juste que Gigi est parti dans un club pour boire, quoi. Où est-ce que vous avez entendu ça? C'est un mec qui était là, apparemment. Il travaille en tant qu'interprète. Apparemment, il était bourré et il disait
I'm Gigi. Enfin, il était en train de dire I'm Gigi. Enfin, je suis Gigi. En criant très fort. Attendez une seconde. Ça veut pas nécessairement dire que c'est le même Gigi dont vous parlez. Vous avez raison. Mais on va dire que c'est suffisant pour regarder, quoi. Enfin, pour enquêter. Je vais aller au club maintenant et voir, enfin trouver quelque chose. Enfin, trouver ce que je peux. Merci Marco, laisse-moi savoir si tu trouves un truc. Bon, on va peut-être pas la faire cette enquête, sinon ça va être très long. J'ai oublié de vous demander quelque chose, quoi. Enfin, quel crime a commis Gigi? Il a assassiné une famille entière et leur a volé leur argent. D'une manière très atroce, apparemment. Deux parents et leurs enfants. Enfin, et leur enfant, plutôt. Puisque là, il n'y en a qu'un. La scène de crime était vraiment dégoûtante. En gros, personne arrive à identifier les corps, un truc comme ça. Il devait être découpé en morceaux, hein, d'ailleurs, comme ça, je pense. Il a fait tout ça juste pour de l'argent? Je ne sais pas. Cette famille ne méritait pas cet acte cruel, quoi. Pourquoi vous dites ça? Après tout, il a peut-être, enfin, je sais pas, des bonnes raisons, un truc comme ça. Non. Ça, c'est une expression. Enfin, en gros, certainement pas, je pense, un truc comme ça. Je ne veux pas y croire. Ne me dites pas que... Hein? Elle est en train de dire que c'est ses parents et son frère qui ont été tués? I was safe. En gros, elle était en sécurité dans une chez une amie, en gros, ce jour-là. Ouais, si c'est ça, apparemment. Donc, ouais, s'excuse pour un petit peu avoir niqué un peu l'ambiance, entre guillemets. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je suis désolé de vous avoir parlé de ça. Ça va. Je suis devenu détective pour en gros résoudre un petit peu ce. Enfin, c'est ce qui l'a motivé à rejoindre la police pour retrouver ce meurtrier, quoi. Donc en gros, là, on doit rester au taquet. Bien, comme ça, again, ok. Donc là, il dit, n'hésitez pas à revenir pour apprendre un nouveau coup, quoi. Je vais peut-être le faire. Est-ce que je fais en cette vidéo ou pas? C'en est quand même, c'est chaud le temps. On va faire un truc, vu que ça c'est un truc un peu secondaire qui, on va dire, ne passionne pas les foules, hein, j'en ai conscience. Je vais le faire maintenant. Comme ça, ceux à qui ça saoule, bah vous pouvez partir dès maintenant, parce que après je vais juste aller sauvegarder, on va pas faire plus de choses dans cette vidéo. Et puis pour ceux qui veulent en voir un peu plus, bah on va le faire maintenant. Comme ça, la vidéo suivante, je me concentrerai juste sur la suite du scénario. Ça, si je peux un petit peu améliorer technique de combat, parce que c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, déjà, c'est qu'avec Tanimura, c'est un peu galère de se battre, quoi. Donc s'il y a toujours des petites techniques comme ça pour essayer de améliorer son gameplay et que ça soit plus cool à jouer déjà, et plus facile aussi, bah on va pas dire non, hein, tout simplement. Après, je vais pas tous les faire, évidemment, parce que bon, sinon on y passerait des dizaines d'heures, mais... Enfin, peut-être pas des dizaines d'heures, j'en sais rien en vrai, mais peut-être 2-3 heures, peut-être. Peut-être moins, je sais pas. Encore une fois, c'est au pif. Mais bon, voilà, je veux pas prendre trop de temps non plus là-dessus. En tout cas, là, c'est mine de rien. Bon, je le refais une fois si je perds, j'arrête, parce que là, je suis en train de niquer toutes mes popos, ça commence à coûter cher. Mais déjà, rien que mine de rien, cette amélioration que j'ai réussi à faire quand même, parce que j'ai quand même eu le meilleur match, ne l'oublions pas.
Ça aide énormément parce que avant il fallait vraiment cliquer pile au bon moment où ils attaquent. Là, tu peux rester appuyé sereinement et tu contrôles l'ennemi. C'est beaucoup plus cool. Enfin, c'est plus tolérant, quoi. Ouais, quand t'es fait ces trucs-là, Touchstone, tu peux rien faire. Ah, salope. Attends, mais moi, ça, je le fais jamais, ça. Mange. Putain, je vais faire presque pas de dégâts, c'est ça qui est... Elle, elle fait super mal. Moi, je fais que des patates de d'enfants de 10 ans. Nimura, il se retient. Il se dit, c'est une femme, faut pas que je tape fort. Et là, pendant ce temps, je me fais victime. Ah putain, elle enchaîne. Ah là là, saloperie, quoi. Elle va quand même la mettre, hein. Après, je suis en train de lancer un truc, si vous vous dites, ok, ça peut être très technique, mais quel est l'intérêt? Parce que en vrai, on a rarement besoin, voire même jamais. Mais quand c'est rarement, c'est contre un boss en particulier ou quoi. Et c'est tout simplement parce que je joue en mode normal. Vous savez bien qu'en mode difficile, c'est pas le même délire. En mode légende, bon, je l'ai pas testé ce jeu-là, hein, mais pour avoir essayé d'autres, c'est du sacré challenge. Donc, t'as intérêt à le maîtriser le gameplay. Là. Là, c'est très chaud. Là. Voilà. Putain, c'était dur. C'était très dur. Putain, du coup, la vidéo fait plus d'une heure, quoi. Wow. Chaud, hein. Bah alors, vas-y, balance. Du coup, j'ai qu'augmenté... Attends, saisie, est-ce que ça fait la même chose? Ah bah tiens, du coup, Marco s'est revenu. Bonne chose, je le jure. Marcos, est-ce que t'as été voir ce club? Je suis devenu ami avec le... Merde. Putain, Witness, c'est quoi déjà? Le témoin, voilà. Le témoin interprète. Voilà, il mettait d'une grenade, machin. Bah, apparemment, il disait rien, je sais pas quoi. Le club est souvent fréquenté par les étrangers. Voilà. Ouais, bon, bref, on s'en fout, ça va être pas sur GG.
C'était un point de rendez-vous, c'est la seule possibilité. GG était là pour voir quelqu'un d'autre, ok. Là, ça devient plus intéressant. Si la raison d'aller au Japon était de rencontrer cette personne... C'est qu'il y a autre chose. Peut-être qu'il boit beaucoup pendant qu'il attend, je sais pas quoi. Mais... Ouais, bon, allez, casse-toi, j'en ai marre. De toute façon, on va pas la finir, cette quête. Là, je pense qu'elle peut être intéressante, parce que déjà, quand tu vois les motivations de la meuf, tu dis que ça peut être cool au niveau scénar. Mais bon, là, c'est un peu relou, quoi. Du coup, je sais pas ce que ça veut dire, la Essence of Sizing. Faut que je regarde ce que... à quoi ça correspond. Je sais même pas dans quel truc c'est, en fait. Déjà, c'est même pas là. Donc, on peut pas l'acheter. Donc, il est déjà débloqué. Ok, mais... ah, voilà, c'est dans la liste. Essence. Finishing. Bah, il est où, le saisie? Ah, voilà, tiens. Hop. Alors, technique, quand tu attaques un ennemi... Alors, quand un ennemi vous attaque avec une petite arme, en gros, tu peux lui voler, de ce que j'ai compris. C'est ça? Ouais, je pense que c'est ça, tu lui voles son arme, en fait. En appuyant sur triangle. Ok, ça marche. Ouais, ça peut être cool. Ça marche. Bon bah je vais me soigner. Voilà, j'ai peut-être mangé un truc, parce que je sais pas si je suis vraiment à 100% de vie. Et puis ouais, on va se tailler d'ici. Merde, je suis où là? Massa. C'est mon père. Qu'est-ce qu'il a ton père? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont pris. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont venus ici et ils ont dit quelque chose comme « Où est Nadine ?» Ah, il s'appelle Nadine. Ou Nadine, je sais pas comment ça dit. Tu sais où il est? Non, mais je pense que... ils sont partis vers l'avenue Scénario. S'il te plaît, Massa, sauve mon père. T'inquiète pas, je m'en occupe. Tu peux retourner au restaurant, d'accord? Non, je viens aussi. Je savais que t'allais dire ça. Bien. Mais on doit faire vite, dépêche. Merci Massa, et au fait, comment tu te sens? T'es fatigué? Tiens, bois ça. Hop, stamina X. C'est parfait, on me donne les trucs. Bon, je voudrais juste sauvegarder, en fait. C'était juste, voilà, je préférais le dire. Oh putain, merde, du coup, il m'oblige à faire ça. Non mais sérieux, là, les gars, je veux juste save. Laissez-moi. Putain, y a pas de... Putain, y a pas de téléphone en plus dans ce coin, je crois. Ouais, il m'oblige vraiment. Oh là 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 là. Bon bah écoutez, on va essayer de faire ça vite fait. Faut vraiment que je trouve un téléphone, parce que là j'ai trop peur que la capture bug, en plus ça fait 1h12. T'es à droite alors? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Zaou, combien de fois je vais devoir vous le dire, je n'ai jamais entendu parler d'une femme qui s'appelle Nadine. On a tout notre temps, le vieux... En gros, on va t'emmener au bureau et puis on va te rafraîchir la mémoire. Je n'ai rien à vous dire, laissez-moi tranquille. The police a un nom. Donc en gros, la police a un nom pour ce genre d'incident. Ils appellent ça abduction, je sais pas ce que ça veut dire en français. Ça vaut, c'est peut-être un truc genre harcèlement, je sais pas. Ou je sais pas, un truc dans le genre. Séquestration, une connerie de ce genre. Laissez Zao partir. C'est dangereux, mais UA, reste en arrière. Du coup, bah voilà, comme d'hab. Baston. Cette quête-là, par contre, je l'avais pas fait de mon côté.
c'est une quête secondaire. Hein. Enfin, je précise, mais bon, en fait, en vrai, je pense que vous l'avez compris. Je sais pas si ça sent, mais je peux vous le dire, c'est quand même plus cool là déjà, je veux dire. Alors pourtant, les trucs que j'ai améliorés, c'est pas forcément ça, mais vu que j'ai quand même fait des améliorations en dehors de, du combat là, contre la meuf, hein, j'ai quand même eu des points d'habileté et tout, c'est déjà plus fluide là dans le combat. Je suis déjà un peu plus à mon aise. Est-ce que t'es blessé? Non, je vais bien, désolé pour ça. Ces mecs étaient à la recherche d'une femme qui s'appelle Nadine, tu la connais? Nadine, elle est venue... Enfin, elle vient des Philippines apparemment pour se faire un peu d'argent. Mais les autorités l'ont trouvée... Enfin, ont découvert qu'elle travaillait illégalement. Et maintenant, ils essaient de mettre la main sur elle. Et du coup, elle a trouvé son de l'aide dans... dans leur petit quartier chinois, quoi. J'ai tort? Oui, c'est ça. Elle est actuellement au restaurant... Enfin, elle était à ce moment-là au restaurant quand ces mecs-là sont arrivés. Elle a eu de la chance d'être... du coup, dans l'arrière-salle, et du coup... quand elle a entendu le bruit. Du coup, elle a pas dû se faire cramer, je pense. Je vois. Mais qui sont ces types parce que ils ont pas l'air de... Enfin, en tout cas, ils sont clairement pas de la police. Je pense que c'est des... Ils trafiquent... Enfin, ils font du... trafic du migrant, quoi. J'ai bien peur que si Nadine se fait arrêter, la police... enfin, voilà, quoi. Je vois. Nifin... Je doute que Nadine... aille quelque part, enfin en gros qu'elle quitte le coin. Ça risque d'être difficile. Attends. Allez, ah non, plutôt je doute que Nadine soit restée proche de cet endroit. Donc ça va être difficile de la retrouver. Tu as des infos? Eh bien, il y a un fortune teller. Apparemment, il y a un mec... Fortune Taylor, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, attends, peut-être un deezer de... Enfin, tu sais, les meufs qui ont leur boule de cristal, des trucs comme ça, je pense que ça doit être un truc de genre. Il me semble que c'est ça, Fortune Taylor. Ce Fortune, ça veut rien dire... Enfin, ça veut pas dire ce que ça dit en français, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est un truc comme ça. Du coup, là, il demande si c'est pas une blague, parce que bon, comment tu peux faire confiance à ce genre de personne. Elle ne rigole pas. Non. Apparemment, pour lui, c'est vrai, quoi. Si tu recommandes. J'ai rien à perdre. Où est-ce qu'elle est? Sur la rue Tenkashi, pas loin du club appelé Stardust. D'accord. Je vais aller pour ma fortune alors. Ok, ça marche. Voilà, je pense que je vais pouvoir sauvegarder. On va s'arrêter là, du coup. Putain, 1h20. Lololol. C'est possible que je jarte les deux essais que j'ai foirés. Comme ça, ne soyez pas surpris si vous ne les voyez pas. Je vais faire ça, parce que sinon, là... upload, là, je vais mourir. Là, ça va être du 5 gigas, la vidéo, avec 1h20. Donc, je vais au moins jarter deux essais. Ça enlèvera peut-être pas énormément de minutes, peut-être 10 minutes, j'en sais rien, combien de temps ça a pris en tout. Mais ça sera toujours ça de prix, quoi, clairement. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. Même si c'était un petit peu galère sur la fin, hein, c'était chaud. Mais bon, ça permet encore une fois d'aborder toutes les mécaniques de jeu qui sont toujours intéressantes et qui sont bien travaillées, mine de rien, qui sont pas...
Enfin, des fois, tu pourrais te dire, ok, c'est bien fait, mais bon, sans plus, quoi. Mais il y a quand même un fond derrière, quoi. Il y a vraiment un côté très technique dans les combats qu'on peut développer si on se met vraiment à fond dedans. Même moi, quand je joue vraiment à fond ou que j'ai refait des Yakuza, c'est vrai que j'ai pas forcément ce niveau-là, hein, mais ça a jamais été mon point fort, je dirais, dans les jeux vidéo. J'ai jamais maîtrisé. Enfin, il y a beaucoup de possibilités au niveau des combos et tout. Et c'est vrai que ça, retenir des combos de touches et tout, c'est. Enfin, c'est pas. C'est compliqué, quoi. Enfin, c'est pas. Je suis pas fort pour ça, quoi, clairement. Moi, c'est. Deux touches maxi, c'est ce qu'il y a de plus simple, quoi. Allez, trois touches de temps en temps, mais faut pas trop pousser non plus, quoi. Donc voilà, moi, en tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même de découvrir tout ça. Et puis, du coup, on se dit à la prochaine pour l'épisode 21 qui sera beaucoup plus court que celui-ci, je l'espère. Voilà. Allez, à plus!